Il est des visiteurs qui laissent des souvenirs au goût amer. L'Autopopo en est un pour Espoir Football Club. Au pied des collines de Savalou, ce dimanche 14 novembre 2021, le club de la ville reçoit le champion en titre dans le cadre de la deuxième journée de la Ligue Pro. Le premier pour Espoir Football Club dans son tout nouvel écrin. Au coup d'envoi, les Soha Boys accélèrent et tentent la première frappe de la partie. Comme un moteur diesel, l'Autopopo carbure et réplique. 20e minute, Rodrigue Fassino trouve Zulkaneri Seibou au premier poteau. Il dépose le ballon ensuite pour la tête de Moussa Gari. Le Malien ouvre son compteur but pour le compte de la saison par un coup de tête magique. Espoir Football Club est sonné et le sera encore davantage. Les Lotto Boys déroulent. 6 minutes plus tard, Stéphane Vingbe réalise un chef-d'œuvre. Servi sur le flanc droit de l'attaque par Gaston Mbeji, il ajuste et enrhume la défense des locaux sur une frappe parfaitement enroulée qui va mourir au fond des filets. À 2-0, les 22 acteurs rejoignent le vestiaire. Insatiable, Abdeslam jette du 109 dès la reprise. Espoir FC est étouffé devant un football qui force l'admiration. Sur un débordement, Kader Touré adresse un centre millimétré. Le nouveau renard de surface de l'Autopopo, le gagnant Martin Zila, reprend de la tête sur une détente chirurgicale et signe une nouvelle réalisation pour les visiteurs à la 72e minute. La note passe à 3 et les joueurs venus de Grand Popo élèvent encore plus le niveau avec leur jeu de passe à 10. Dans cette série où Espoir Football Club a perdu ses repères, les Lotto Boys laissent encore des étincelles à l'image de ce missile de Gilbert Adoyandi. Le ballon heurte la barre transversale et retombe. A-t-il franchi la ligne? À vous d'en juger. À la fin du match, le manager général Abdeslam Ouadou félicite son équipe, reconnaît la qualité de l'adversaire du jour et se projette sur le match à venir. Tout d'abord, je tiens à féliciter mes joueurs pour l'abnégation, l'engagement qu'ils ont mis dans ce match et surtout la volonté de jouer au football. Je crois qu'en première mi-temps, mes joueurs ont été un peu timorés. On a fait quelques changements tactiques à la mi-temps qui ont pu apporter. Donc on voit qu'on a un effectif. Et comme j'ai dit, moi j'appelle pas mes joueurs qui rentrent des remplaçants, je les appelle des suppléants. Et je dois aujourd'hui les féliciter parce qu'ils sont rentrés, ils ont aussi apporté de la lumière dans ce match-là. On a décidé de rentrer directement après le match pour gagner encore un peu plus en récupération. Et on se projette déjà dans le match pour le match de audio. Et certainement qu'il y aura peut-être un turnover. On a vu qu'on avait un effectif et on va essayer de mettre une équipe compétitive pour aller gagner. L'Autopopo s'offre son deuxième succès de suite au coup de sifflet final et quitte Savalou Label avec 6 points plus un goal différentiel de plus 4. Le club de la Loterie Nationale du Bénin, après 2 journées, prend la tête du classement dans la zone B. L'Autopopo, un pour tous, tous pour un.